Cette exposition à la galerie Eric s'inscrit dans la suite logique de ma démarche artistique. Soupe cosmique est une pièce qui traite avec malice de la distorsion de l'espace-temps dans le cosmos. Effroyable légèreté est une dualité entre guerre et paix. J'aurais aimé te ressembler traite de la différence et de la tolérance que les individus s'accordent dans la société. Révolution virale est un étendard des combats à mener pour la juste place des femmes dans notre société. L'utilisation d'objets ou de matières me permet une accroche sur le réel. Mon travail est en strate de lisibilité. Et pour moi, la poésie est un véhicule. L'image projetée est une double peau. Elle me permet d'injecter de la poésie et du sens dans mes œuvres. L'utilisation de boucles dans mes vidéos me permet d'échapper à la temporalité. Ma démarche peut être politique car mon travail est en réaction. L'art est un cri au service de ma philosophie. Si je suis un des rares artistes utilisant la vidéo encore présent sur la scène, c'est que la mode n'a aucune prise sur moi. La vidéo est un des médiums les plus difficiles à exposer et à vendre. Je ne me considère pas comme vidéaste, mais plutôt comme un plasticien utilisant de la vidéo. Ce qui m'est le plus précieux en tant qu'artiste et en tant qu'humain, c'est ma liberté. Je fais de l'art d'une façon la plus sincère possible, et je laisse au public une liberté totale d'interprétation.